Donc nous en étions là et il y a des frères marteaux. Bonjour le frère marteau. Alors est-ce que vous pouvez les prendre ? Possède mon frère poil. Frère poil, poil, poil. On peut cuisiner le fromage. Ah ! Du coup il y a peut-être un truc là-bas. Bon, du coup le Goomba il sert définitivement à rien. Oh purée le pauvre machin. Oh là là. Ah non. Oh il a des cheveux verts. J'aurais dit bleu. Ça sent fort le fromage ici. Wow. Faut peut-être pas que je casse tout. Tu vois, pour monter. Mmh. Ah, il y a une lune là. Bah, il faut que tu casses le... Oui, oui, je sais. C'est bon. je pensais que t'étais pas dedans, honnêtement. Mais... C'est bon. Ah, ok. On grimpe sur le frocher. Est-ce qu'il y a des trucs? Ouais, les lunes. Enfin, des éclats. D'accord. Mais après, si je casse tout, c'est peut-être dangereux, alors j'ai peur. N'aie pas peur, Mario, je suis là pour tuer les Spikes. Bon, enfin, j'arrive pas à les tuer, mais... J'espère que tu t'amuses bien. Non, là, c'est Eris, m'ont pourri la vie. Je veux le tuer, le Eris. Voilà, c'est bon. Dommage que je puisse pas casser le fromage, moi aussi. Bon, après, en même temps, sinon, il n'y a pas d'intérêt de transformer en frère poil. Hein. Pourquoi je casse pas le fromage devant moi? Qui est deux à un moment où j'ai parlé. Je sais pas s'il y a des trucs dans celui-là au final. Je pense pas. Mmh, il est pas content. Oh, il est pas content. En même temps, on voit pas où elle est. Bon, bien joué, frère. On a creusé dans le frocher. C'était le marteau une expérience poil. Très enrichissante. Et très gourmand aussi, j'espère. J'ai aussi une question, c'était... Et alors, les pièces violettes, c'est où? Il n'y en avait pas. Au final, toi, tu dis quoi? J'ai trop peur, des frères. On a mis une pièce de viande à reposer là-haut après l'avoir salée. C'est la pièce maîtresse de notre poté, de fait. Mais j'ai peur que ce sac à plumes mal dégrossi vienne nous la chipper. Bah, c'est bon, on va lui ramener. Alors, il y a quoi dans ces fromages aussi? Ça a l'air difficile de prendre le contrôle du... Je veux tout détruire parce que... Je sais pas à quel point il y a des trucs. Gros pop super vite. Ah, t'as trouvé des pièces. Ah ok, elles sont là. C'était important de les casser du coup. C'est bien parce que ça va aussi vite que ce que tu lances. Donc du coup, tu peux vraiment lancer très très vite beaucoup de poils. Je le suis plus fort que vous. Il y avait un truc là-dedans ou c'était juste pour apprendre à jouer? Bah on dirait que c'est juste pour apprendre à jouer. Bon alors est-ce que je dois casser cette vitre? Non, non, faut peut-être tuer tous les machins, les spiky là. Eris. Et la réponse est non. Bon. Bah surtout que le monsieur marteau il revient tout le temps. Peut-être qu'il y a un truc là-haut. Un bouton dans le fromage. Voilà. Bien joué, Mario! J'aurais bien aimé tout casser, mais je pense pas qu'il y ait d'autres choses. Je pense pas, non. C'est dommage que ça casse pas celui qui est devant. Du coup, je... Ouais, bon, c'est bon. Wouh! 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 Bien oh, joué, le cuisinier! Importante. Bah oui, tu voyais pas qu'il y avait un beau socle? Oui, mais quand même, je suis impressionné. Je sais pas pourquoi j'ai l'air étonné, oui, effectivement. Il y a un beau socle et tout. Et comme par hasard, t'as récupéré une lune et hop, c'est beau, magique, il y a tout qui se crée. Oh, il y a des trucs pour les... Bonjour, on a la marmite de Frounou. Frounou. Frounou.
Frounou, frounou. Alors. Du coup, ce qu'il faut utiliser ça. Donc là, c'est pour monter. Là, il y a des tomates pour m'aider. Je pars pour les tomates. Pour ah, monter. Je vois, faut faire rouler les tomates vers le. Mais vous êtes. Mais vous êtes sérieuse? Bon, bah, c'est bon, pas besoin de. Quand on est deux, c'est bon. Jouer à deux. Jouer avec deux manettes. Je brûle! Mais non, c'est que ton impression. C'est dans ma tête. Ça brûle pas si je me mais dis non, c'est mais non, mais non, mais non, oui, oui. Encore une fois, nous avons terminé toutes les unes avant de battre le boss. Les derniers mondes, c'est bon, vous pouvez partir maintenant. Je pensais que tu m'aiderais en... Ah, tu voulais prendre lui. Oui, bah c'est pas grave, tu peux prendre le frère marteau aussi. C'est pareil, du moment que tu vas sur quelque chose. Écoute, c'est difficile de le voir. Bon, je sais pas s'il y avait pas... Oh, purée. Comment je vais faire, moi, maintenant? Comme ça. Je sais pas s'il y a un truc spécial ou... Parce que bon, il est là, le truc, juste pour... Non mais sérieux, pourquoi ça va aussi peu loin? En plus, je prenais de l'élan. C'est genre un raccourci si t'as pas envie de passer, c'est ça? Je suppose. Oh. Non, il faut que tu prennes la fourchette pour moi. Voilà, du coup, à cause de ça, j'ai perdu un peu la tête. Ok, Mario. Quelle entrée fracassante! Eh ben, oh, disons ça a l'air super mignon. On a des choses à faire avec ça. Normal, c'est le niveau. Ça fait un peu Splatoon. Ouf. Ouf. Bon, allez, vas-y, Capi. Va sauter sur les tomates. Tu vas voir, je vais rater. Bon, après, c'est pas grave si tu rates. Hein. Il est juste à côté, l'autre. Voilà, t'as très bien raté, bravo. Traversant l'étang de lave. Bon, est-ce que je peux me jeter de là-bas? Je me suis jeté, mais... Et le mur t'a repoussé. T'a oui, non, mais non, voilà, c'est ça. J'aurais bien aimé que ça fasse ça avec les marmites. Ah, tu vois qu'elle te jette dans le vide, les marmites. Bon, alors, est-ce qu'il y a des pièces violettes? Oui. Je pensais que j'allais aller assez loin. Il y en a à droite de ce petit labyrinthe minuscule qui veut pas que je le traverse. Pff, ah oui, d'accord, ok. Même pas ah besoin oui, d'avoir ça. Enfin, voilà. Voilà. Oh, on est à la moitié. Mm-hmm. Au revoir, Capi. C'est bon, j'ai atteint le fond. Je touche le fond. Ça fait peur. Bon, là, c'est les petites pièces de la récompense. Y a rien de plus. C'est important de récupérer les pièces pour acheter un costume de clown. Trop bien. Pourquoi on débloque un costume de clown dans ce monde? Parce qu'il est coloré. Bon, c'est bon, je suis dans le trou, là. Mais là, je suis dans le trou. Mais pourquoi? Moi, je prendrais pas ce tuyau comme ça. C'est bon, je salirais pas ma belle blouse. Mais sérieusement, Mario. Eh, hey, oh. Oh, fallait prendre le... J'allais dire le chien, c'est pas un chien. Non, mais peut-être juste là. Peach. Non, il y en a pas. On est peut-être un peu plus loin, mais... Ah, il est juste là. Oh bah, je me suis quand même jeté sur lui. C'est pas très mal. Non, mais tu voulais le posséder avec la force de ta volonté, en fait. Ça va être juste un cœur. Obligé. Ah non, c'est un navet. Bon, c'est bien, et comment on monte? Bah, à la loyale. Oh, pourquoi t'as fait ça? Je pensais que t'étais pas assez haut. Et finalement, tu l'étais. Ah oui, d'accord. Non ouais. Je pensais que t'étais au-dessus du vide, mais en fait, non. Mais genre, t'es au pixel près aussi. T'en fais pas. Aide-moi. Mince, tu vas mourir. Bah oui.
Attention. Non mais à chaque fois que tu vas déposer un AV d'or, t'es obligé de pas avoir de point de vie. C'est parce que voilà, après l'effort, le réconfort. Fou. Techniquement, je dirais on devrait perdre un point de vie en frôlant la marmite parce qu'elle est chaude. Non mais c'est bon, on leur donne pas des idées non plus. Bon, je pense que ça doit être le dernier. Oui, 3 navets d'or, 3 points de vie. Le compte est bon. Tire flamme, moi, absolument. On n'a jamais pensé ça de toi. Ok, j'étais pas dans le bon sens. Wow, il y a un trou ici. Tu sais que t'es pas obligé de la posséder, théoriquement. Tu peux sauter ? Oui. Mais c'est plus cool en pot au bout. On fait du bon travail. Oui. On ne s'arrête pas. J'avoue que du coup, au final, il y a des choses derrière. Ok, bon. On faisait du bon travail. Jusqu'alors. Et ça m'a perturbé, le derrière, il y a des choses, tout ça. On a déjà tout dévasté. À la limite des pièces. Attends, attends, attends. Regarde derrière toi. À gauche. Là-bas. Ah non, à chaque fois je vois des... Ah si, 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 là je suis pas fou, oui, j'ai bien vu. Un truc brillant. Mais quoi, Mario, pourquoi j'ai pas sauté? Pourquoi je t'ai pas fait sauter? J'ai eu peur. En même temps, Mario, je l'ai pas fait sauter. J'appuie sur le bouton. Bon, alors fais attention, disons, il y a un ça glisse. Coup et je peux pas te faire sauter. Je sais pas comment t'es censé aller là. Sur le flanc escarpé. Il y a Araplane après. Mais c'est pas Araplane. Pas grave. C'est rigolo de l'appeler Araplane. C'est bon. Mais là, t'as pas glissé, c'est bon. Non, mais j'ai dû appuyer sur un bouton en même temps que tu m'aides et ça s'est mal passé du coup. Bon, alors fais attention. Il y a des trucs là-bas. Ah oui, plein de trucs. Même. Attends, ça a l'air d'être important. Et même une musique. Il y a plein de pièces. Tu veux qu'on aille là-bas? Ah bah c'est toi qui décides, Mario. Non mais tu devais me dire oui. Oui. Bon, par contre, où est-ce qu'on va trouver un pot d'obou qui veut nous aider? Lui là-bas, il a l'air bien. Et voilà. En avant pour de nouvelles aventures! Ah là là, Capi. Capi, il se repose. Ah, il y a une note de musique. Oh là là, où est-ce que je vais atterrir? Joué! Même pas récupérer le course aux notes dans la lave. Qu'est-ce qu'elle veut? Oh non, regarde, toutes ces craquelures sur le sol, ça fait négliger. Je m'étais dit que j'allais faire une bonne action en les aplatissant, mais je suis qu'une fourchette, j'ai peur d'y laisser la frouche. Je laisse ça à quelqu'un de plus courageux. C'est vrai qu'il pourrait se tordre. Aïe, je sais, on se fait attaquer par des poivrons. Mais tu l'as déjà cassé en fait. Okay. Tu peux casser les poivrons. Wing. Je dors. Emplacement des poivrons. Bon bah ils m'ont poussé. Ah oui d'accord, ils m'ont bien poussé. Bien joué. Ah oh, bah instantanément, ça lui a fait pleurer de joie une lune. Oh là là, tu vas te prendre un poivron. Non. Ah non. Bon, on peut aller dans le trou des poivrons ou pas? Non mais on peut exploser. Alors par contre ça vibre. Ici. Enfin, partout, en fait. Mais c'est d'autres les poivrons, en fait, quand ils roulent. Mmh. Parce que moi, j'ai pas de vibration. Oui, moi, j'ai pas de vibration. Oui, ce sont les poivrons. Bon, alors, où est le monde caché? Oh. Wow, ils m'ont fait peur, les poivrons. Mais non, il est sérieux. Ah, mais les frères marteaux, tu sais. Ah, mais les frères marteaux. Mario 2D, les pires. C'est un fléau, je sais, je sais. Ah, du coup, il a besoin d'aide, tu vois. Triste. Son bonheur ne fut que de courte durée. Toutes les craquelures sur le sol, ça fait négliger. C'est trop dangereux, j'ai peur d'y aller.
aussi une fourche. Je pense pas. Qu'est-ce qu'il fait? Bon, bah ok. J'ai pas besoin de le refaire, je suppose. Non, non, non. Bon. Ouais. Non, mais c'est clair que les machins. Mais en plus, ils font rien, alors t'as envie de les éviter. Bon, vous voulez pas descendre? Non, 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 vous. Vous me faites juste peur. Ah, mais non, on doit faire un truc comme ça, alors. Wing. Ok, voilà, c'est bon. Il est mort. Puis ça vibre à cause d'eux. Vas-y. T'as sauté un petit peu trop tôt, mais ça va. Du coup, il y a d'autres trucs? Ah non, ok. Yeah, yeah, yeah. Alors là-dedans, il y a un cœur, je sais pas. Non, même pas. Ah, du coup, il y a une étoile cachée quelque part. Faudrait pas la rater. Je pense déjà, ce serait bien que je... Mais non, regarde, là, il y a un petit passage. Ah non, c'est pour redevenir humain, ça. Non, 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 non. Il faut que tu sortes d'un tuyau pour... Ah oui, non. Peut-être qu'elle est cachée là-bas, tu vois, dans le sable. C'est elle. Je veux dire... Bon, au moins, il n'y a plus les frères Marteau. Mais genre... On peut peut-être voler, je sais pas. Alors, regarde un peu partout, toi aussi. On saute, je veux dire. Même si, normalement... Oui. On essaye. Je pense que t'es pas censé réussir à aller jusque là, de toute manière. Mais surtout que oui, si tu fais rien. Mais t'as fait quelque chose? Oui, pardon. Oui, si tu fais rien, je ne peux pas voler. Ah non. C'est abusé, en fait. En plus, ça te fait monter un peu, tu vois, genre, tu sautes... Mais oui, du coup, à chaque fois, tu me fais tomber alors que je voudrais essayer d'aller contre le mur là-bas. Vas-y, go! Mais non, tu peux pas faire ça. Bon, alors c'est peut-être de l'autre côté? Parce que ça serait du direct derrière? Non. Oh là là, mais non. Ah, Mario, il meurt un coup. Bah, ah oui, dans la lave. Mario 2D, Mario, il sait pas faire. Mario, il sait Mario, il sait pas faire. Ah ah ah. C'est dans le poivron doré, et si vous le cassez, il y a une lune dedans. Le poivron doré. Vas-y, Capi, prends le. La flamme. Oh. Oh non. Un petit athlétique tac. Ouais, me laisse pas ici. Bon, bien, amuse-toi bien. Oh, tu peux les faire rouler ces trucs. Ah non, ils roulent tout seul. Mais je l'ai vu là me jeter sur les risques, je me suis dit mais non, ça se fait pas. Regardez, je peux rien faire. Et les pièces, ça sert plus à rien dans ce jeu. Je déteste les iris dans ce jeu. Oh. Je vais vraiment... Ah, parce que tu détestes pas les iris dans tous les jeux, toi? Ah, mais il faut t'accrocher. Oui, bah, t'accroches pas, Mario. Hein. Meurs, ça va plus vite. N'importe quoi. Oh, regarde, ça fait une brochette. C'est rigolo, non? Ouais, ouais. Ah bah là, tu vois, là t'as vu, Mario il s'est accroché, c'est bon. Regarde, dans Mario il s'est accroché, c'est bon. Je fais quoi? Je dois prendre eux d'abord et... Bah voilà, 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 voyons. Qu'est-ce qu'il fait le Eris au bord de la mort là? Mais le problème là, dans ce jeu, c'est que le Eris ne peut rien lui faire en fait, comme dégâts. Oui, parce que Mario il est inutile. Attends, on dit pas Mario il est inutile, c'est un emblème du jeu vidéo, blablabla. Attends, on peut vraiment pas leur faire. Non, tu peux pas leur rouler dessus. Non, tu mais je voulais les retourner ou quelque chose comme ça. Ah non. Je sais pas. Wouh! Wow! Oh, bien joué, tu les avais vus? Oui. Ah, ok. Ah, lui, tu l'avais pas vu. Ah, lui, tu l'avais pas vu venir. C'est pas grave, j'ai eu la lune et les pièces, donc maintenant je peux foncer. Attends, on garde l'œil ouvert quand même, peut-être qu'il y en a d'autres, des pièces. Très beau Mario, très beau saut. Très beau Mario. Très beau Mario. Il est très beau Mario. Ah, il est très beau avec sa blouse là de cuisinier. Ça lui va bien. Bon, on va aller tranquillement. Je suis censé faire quoi là? Soit tu passes à droite, soit tu fais un long jump. Il y avait un truc sur l'autre ou c'était juste pour faire non, genre non, c'est non, un chemin? Non, t'as deux chemins. D'accord. Choisis ta façon de jouer.
Oui, bah moi je suis plus à l'aise quand il faut faire des grands sauts en avant. Je trouve que c'est moins risqué. Au moins on arrive plus vite au but. Bon, et celui-là je peux le prendre? Oui. Je suppose que Mario, à chaque fois qu'il se trouve un compagnon, Flood, Capi, il devient nul. Ah ouais, j'ai un nouveau compagnon, j'oublie comment on donne des coups de poing. Je comprends pas pourquoi, oui, ils ont retiré les coups de poing de Mario, en fait. Mais oui, pourquoi vous le rendez inoffensif comme ça? Inoffensif, Mario, il est inoffensif. Je comprends pas aussi pourquoi les roulades de Mario ne font pas de dégâts. Allez, récupère. Ouf. Désolé, j'étais encore dans le mode, je joue pas. C'est pas grave. Mais je comprends pas, oui. Je veux dire que ça me choquait pas dans Mario Galaxy que Mario ne puisse pas donner coup de poing parce qu'il avait une tornade, donc à la limite, ok, ça me choquait pas. Mais... Oh, tu possèdes de la grosse pierre. Pourquoi je voudrais posséder une grosse pierre? Ah non, il faut sauter. Ah. D'accord. Qu'est-ce que tu possèdes en réalité? La viande. C'est la viande, ça? Oui, ils ont salé la viande. Ah oui. Ah mince! J'ai fait le saut de trop! Bah t'en fais pas qu'un de trop. Exagère un peu là, je trouve. J'attendris la viande. Ah ouais, le poulet aime la viande! La potée sera parfaite maintenant! Ah, et c'est comme ça qu'on vole. On peut changer la caméra, n'importe quoi! Bah c'est peut-être comme ça qu'il nous contrôle tout ça. D'accord, je ne peux plus contrôler la viande. Plus jamais, désolé pour toi Mario. Alors voilà les petits légumes dans la potée merveilleuse. Les petits légumes Et du maïs. Et du maïs, ah oui c'est important. Non. Oh. Il n'y a pas de pièces violettes ou de trucs comme ça? On dirait qu'il n'y a rien pour l'instant. Les petits légumes. La potée et sa julienne légumes avec sa sauce forestière. En compagnie de... Capi. Purée. Et les lunes bleues, ça donne un petit goût à la menthe. C'est les fines herbes. J'aurais pu se dire un petit côté frais. Mais si tu veux, la menthe, au moins, la menthe, ça n'a pas forcément un côté frais. Oui. T'as qu'à faire comme Endo, tu mets du mint dans tout et n'importe quoi. C'est bon. Allez, la potée au mint. Ah, il rigole. Trop bien, vivement. Hé, vous êtes en train de gâcher ma potée. Hey, Mario, meilleur cuisinier que poulet. Voyons. Hop. La potée a explosé. Eh hey, oui, Mario, c'est super. Bon, Mario, ça va, Mario. Mario, il trouve ça cool, bien. Il rigole, c'est bien. Ah, parce qu'il voit y retourner, du coup. Regarde, là-bas. Je vois aller dans la cascade. Mais on a été projeté jusqu'ici. Il rigole pas, ce volcan. Ce volcan est toujours en éruption. C'est bien dommage. Ah, mais maintenant, il y a des fourchettes ici. Tu crois qu'il y a des frères Pyro. Elles apprécient pas les craquelures. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Aïe, 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 ça chauffe trop fort. Notre potée de fête risque de ne pas s'en remettre. Il faut absolument que quelqu'un aille voir. Mais comment faire pour monter là-haut? Bah, c'est facile. Non, c'est moins... Et je me téléporte. Je peux pas. Ah si, je me téléporte et on constatera que comme il n'y a plus de viande... Mais ce point de sauvegarde sert à rien. Il y a peut-être quelque chose. Il n'y a plus de viande, elle est dans la marmite. T'entends quoi? Je pourrais aller là, derrière? Ah non, ok. Ok. Wow, il n'y a pas tout ça tout à l'heure. Oui, non, il n'y avait rien. Je vois. Et donc du coup, il faut un pot d'eau boue. Toujours. Pot de boue! Ah bah maintenant c'est tous des frères Pyro d'ailleurs. Vous cassez le fromage vous aussi? Vous ne faites rien en tant que boule de feu. Présume. Par contre ça fait un peu mal aux yeux de l'avoir rendu la lave comme ça. Ce pot de boue ne peut pas traverser le vide. C'est bien dommage. Je peux rien faire avec mon pot de boue je suppose. Moi, je peux casser des trucs, et ça, c'est beau. Bon, bah, c'est pas grave, il doit y avoir un autre chemin. Tiens, donne-moi... Ah bah, t'es plus là. Regarde comme il se protège bien. Bon, alors, il y a un truc. Il y a peut-être un chemin, hein, de l'autre côté.
Alors là-bas à gauche. Ah mais oui, là il y avait un petit passage. Ah, ils vont tous avoir peur de toi. Coucou tout le monde. Oh là là là, j'ai peur. Pas de faire cuire un œuf. Bon, est-ce que maintenant il y a un pot d'eau boue? Ouais non, mais il y a carrément des chemins en fait. Oh. Va te faire cuire un œuf. Oh là là. Oh, mais t'es sérieux? Oh, je pensais que t'allais voler. Pardon, pas réfléchi. Non, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Tu n'es pas obligé d'avoir le réflexe d'être... utile. Quelque chose de, où tu es pas censé exister. Je sais pas ce que j'essaye de faire. Bon, ça vaut mieux comme ça. Pourquoi ça brille? C'est parce que je dois aller là. Moi, je veux pas aller là, du coup, vu que je dois aller là. Y a pas un autre chemin qui avait l'air intéressant? Je pense pas. En fait, si ça se trouve, ça t'emmène de l'autre côté, en fait. Je pense. Le fameux endroit où je veux aller. Je suis dessus, là. Pas bien. Allez, courage. Oh, ça va niveau pièce violette, enfin tomate violette, en forme de tomate, pardon. Magnifique. Derrière toi, il y a un trou. Oui, je vais regarder. Oh. Nice shoes. Nice shoes. Ok, j'arrive pas à voir, on va mettre comme ça. Ah, le problème, c'est que maintenant tu verras pas s'ils sont assez hauts ou pas. Oh non, 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 ouf. Regarde Mario, il a l'air derrière content. Les piliers de lave. Tu vois, c'est de la lave. J'avais raison. Ça aurait pu être de la fondue. J'ai jamais goûté que c'était de la lave. Ah. Non, mais ce feu. Capi, il va brûler. Il n'y a même pas eu de bruit. Je souffre en silence. Qu'est-ce que c'était? Mario, il est là. C'est trop mal pour parler. C'était trop bizarre ce qui vient d'arriver. J'ai trop mal pour parler. J'ai trop mal. Toc toc. Pour parler. Toc toc qui est là. Toc toc. J'espère que l'on fait plein de spaghetti. Oh, bien joué Mario, t'as réussi à ouvrir une porte. Oh, des cailloux. D'accord. Oh, il y a du feu à brûler. Oui, oui, il y a du feu à brûler. Qu'est-ce que c'est que ça? Plante piranha. Yeah, yeah, yeah. Y'a pas de pot d'obou? Plus loin, je suppose. Capi, t'es encore mort. Je peux gagner contre la plante piranha. Regarde, regarde, regarde. Oh, vas-y. Qu'est-ce que c'est que ça? Je sais. Eh ben dis donc, t'as gagné tout ça où? Eh ben dans le coffre. Ah, tu bloquais les pièces en fait depuis tout ce temps. Aïe, tu m'as fait rater. Ouais, j'oublie. Peut-être qu'on doit aider une plante piranha à aller jusqu'à là-bas pour allumer le feu. Ok, je... Non, 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 meurs pas, faut que j'aille chercher le point de sauvegarde. Non, je peux pas y aller, il est trop loin. T'inquiète, on y va, regarde là-bas, il y a le canon. Avec Capitaine Toad, on dirait. Oui. Non! Ah! Ouf! C'est bon, on l'a atteint. Oui, c'est Capitaine Toad. Et il y a un pot d'eau boue. Mais il n'y a pas d'autres pots d'eau boue. Ah, c'est bon, on crache des boules de feu. Après, il y a ici qui est suspect. Oui, bon, bah comme ça aussi. Mais voilà, tu peux y aller à Capitaine Toad maintenant. Oh, quoi? Non. Tu veux qu'on fasse du damage boost jusqu'à Capitaine Toad? Ah, moi je le ferai. 1, 2, 3, 4. Attends, d'abord on va lui parler. Et voilà. Comment je me suis retrouvée ici? Aucune idée. Avec cette chaleur, difficile de garder la tête froide. On s'étouffe ici, hein. Tiens, j'ai ramassé une lune. Je
te la donne. Alors, je suis perplexe, je ne sais pas si je vais dans le canon, ou si je vais avec le pot d'obus dans les flammes. Canon. Parce que le pot d'obus, si je touche les flammes... Attends, je crois qu'il faut que j'y aille en pot d'obus dans le canon. Bah, j'ai pas trop le choix, je peux pas viser. Vous allez m'emmener où? Très loin. C'est de la lave. Non, mais vous êtes sérieux? Je déteste ce jeu. Pourquoi, dès que tu frôles un truc, c'est bon? Mario, il redevient Mario. Il a dit aide-moi. Enfin, il a pas dit aide-moi, mais... Tu veux qu'on retourne au Toad? Non, je vais juste te donner au moins le point de vie. Oui, le point de vie. Allez, meurs, 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 meurs. Regarde, Capi. Ah, tu peux y aller. Mais en plus, ça veut dire qu'il faut emmener un pot d'obou jusqu'à là-bas. Coucou, Capi. T'as besoin d'aide, on dirait. Bien joué. J'ai jamais besoin d'aide, je suis Capi. C'est vrai. Capi l'électronique. Capi le fantastique. On court par-ci, il court par-là. Personne ne l'aura. Ok, pardon. Non, c'est bien, mais moi ce que je me demande, c'est qu'on est en train de rater plein de trucs, là. Oui, potentiellement. Ben, on va dire, elles sont où les trois dernières pièces manquantes, tout ça? Là, il y a des pots d'obou. Tu veux en prendre un? Je veux pas en prendre un, je veux... Pourquoi ce trou? Aller dans le trou. T'inquiète, ça va être un poivron qui va sortir là, et il va te tuer. En tout cas... Y'a rien dedans. Oui, tu peux pas le frapper? Non mais je vais sauter et faire un truc. Je veux dire, j'ai le droit d'utiliser Capi des fois. Peut-être. Alors, ça a marché. Ça a pas marché. J'espère que t'as pas mal pris la façon dont j'ai dit je peux utiliser Capi des fois. Ah bah si, totalement. Vas-y, prends un pot d'obus. Mais ça sert à quoi de prendre un pot d'obus? Bah, à continuer le chemin, je pense. Genre, faut continuer en pot d'obus. Mais tu meurs. En tout cas, ils ont l'air de vouloir nous faire emmener un... Un truc. Enfin, je... Ben oui, mais non, après, là... Ah oui, si, non, il y a un chemin. Ok. Ah là là, t'aurais pu revenir ici avec le canon, ça aurait été plus rapide. Donc, ou alors, c'est vraiment juste pour les pièces violettes? Je suppose, oui. Le sommet n'est plus très... Attends, quoi, les fourches parlent? Mais oui! C'est pour ça que je dis, qu'est-ce qu'elle a dit? En fait, on utilise des gens, c'est triste. Et non. Oh. Ça, c'était un raccourci. Y a pas de... Non, mais ce trou, il est suspect. Hein. Ah, c'est comme ça qu'on fait. Vas-y, viens, on va utiliser des pots d'obus. Bah, surtout que maintenant, on a gagné le truc, je crois. Oui, bah, c'est pour ça que je dis ça. Ah, attends, quoi? Non, c'est pas un navet en or, ça. Peut-être. Non, bah non, le navet en or, il... Mais non, mais... En plus, ça a fait de la musique. J'espère que... C'était lui? Oui. Oui, ça c'est le départ. J'espère que... Le feu va pas s'éteindre. J'espère que oui, voilà, le feu va pas s'éteindre. Mais t'inquiète pas que si! Attends, on était vraiment là? Oui. Il est éteint. Est-ce que si tu sautes juste là, est-ce que ça fait un truc? Ça le touche pas, non? Ah, si. Bah si. Bien joué, Mario. Et oui, il faut tout réussir avec un seul pot d'obus. Bon, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt. Au revoir tout le monde. Bye bye.